15 novembre. Un film de J. Annie Castonguay. Un jour, j'ai tout bonnement décidé d'arrêter de vivre. Je me rendis ce jour-là où l'on voulait que j'aille. Je devins ce que l'on avait tant voulu, Je cessais de vivre, car je n'en pouvais plus de souffrir. Je continuais de marcher, de parler et d'exister, mais je n'allais plus jamais nulle part, je ne dis plus jamais rien. Et je ne vécus plus. Ce jour-là, je devins aveugle à la misère du monde. J'avais compris à la misère du monde. Ce n'est pas la gravité qui retient l'être à la terre, mais son cœur de pierre. Ce jour-là, je cessais d'éprouver la douleur. Et je n'éprouvais plus la joie non plus. Plus rien ne m'atteignait. Quoi qu'il me soit difficile de dire. Que je l'eusse un jour vraiment connu. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Plus rien ne m'atteignait plus. Je servis ma peine à perpétuité. À perpétuité. Je vis jusqu'à ce que mort s'en suive. Dead man walking. Et je décidai d'ouvrir les yeux. Puis un jour, je vis. Je compris que l'on avait fait de moi ce que l'on avait voulu. Je décidai d'ouvrir les yeux. De connaître la douleur. Dans cet univers d'où l'amour, l'espoir et le respect s'étaient enfuis, pour un monde meilleur, en essayant de nous faire croire qu'ici-bas, qu'il y a pire. Qu'il y ait pire, comme si quelqu'un puisse se voir qu'il puisse exister, un monde plus sombre, cruel que celui-ci, où l'on vous montre la vie, où l'on vous montre la vie, derrière une vitrine en dimanche, on traverse pas le miroir, si seulement on avait eu la vie devant soi. Dead man walking. Le sursis, cette distance qui nous permet seulement de mieux voir la potence. Vaste est la présence. Dead man walking. La